Bonjour, bonsoir. Alors la connaissance de soi. La connaissance de soi, moi je me dis que c'est peut-être l'une des quêtes les plus énigmatiques, les plus profondes et les plus infinies dans nos parcours de vie, n'est-ce pas ? Ouais. Et en tant que chanteuse, j'avais envie de vous partager mon expérience parce que je me suis rendu compte qu'en allant à la rencontre de mon identité vocale, en cherchant ma voix VOIX, je me suis rendu compte que je trouvais ma voix VOIE. Donc j'aime bien jouer sur ce jeu de mots, la voix qui peut s'orthographier VOIX, VOIE. On dit souvent de la voix qu'elle est comme l'empreinte digitale mais sonore de notre âme et qu'elle reflète nos parcours de vie, notre identité profonde. Aussi, quand on chemine avec cet instrument-là, qui est le premier instrument originel, c'est comme si on allait sculpter petit à petit une terre glaise comme ça, intérieure, quelque chose d'argileux qu'on sculpte au fur et à mesure du temps, de nos parcours, de nos expériences de vie. Alors j'avais envie aujourd'hui de partager un moment assez atypique avec vous, un moment où on va tous plonger en soi pour se mettre à résonner ensemble, à vibrer ensemble. Voilà. J'avais plein d'autres choses à dire, mais je les dirai tout à l'heure. Parce qu'au fur et à mesure du parcours de vie, c'est aussi les épreuves qui nous façonnent et je vous offrirai un champ de résilience comme ça tout à l'heure. Alors on va partir à la découverte de ce monde intérieur parce que j'ai aussi pris conscience que plus je me connaissais moi-même et plus je pouvais aller à la rencontre du monde qui m'entoure d'une nouvelle façon. Et c'est comme si je devenais moi-même une sorte de miroir de reflets plus affûtés qui invitait l'autre que je rencontre à lui-même se rencontrer. Ça interagit comme ça en écho, de plus en plus profondément. Aussi, cette quête de soi, elle résonne les uns avec les autres. Et cette quête de créativité, cette quête d'identité, c'est aussi une invitation quand je chante à permettre à l'auditeur, lui aussi, d'aller à la rencontre de sa propre créativité. C'est pour ça que c'est vraiment devenu mon cheminement, ma passion et mon chemin de vie, ma manière d'interagir avec le monde qui m'entoure par le chant et par cette manière d'être et de se reconnaître au fur et à mesure du temps. Alors, est-ce que vous êtes prêts à respirer un peu, vous laisser résonner et reprendre contact avec votre corps, avec déjà votre propre signature rythmique, votre propre respiration? Je vais vous inviter à vous toucher le bas du ventre. N'ayez pas peur, ça fait du bien. À reprendre contact avec vous-même. Voilà, un petit moment de contact. Ça fait pas de mal. Osez prendre soin de vous, vous faire du bien. Alors juste la main ici, on va juste ressentir, prendre le temps de laisser aller la respiration telle qu'elle est, biologiquement, comme si vous vous endormiez, et juste observer le mouvement naturel du ventre. Vous allez vous rendre compte que le ventre, qu'est-ce qu'il fait ? Il se gonfle et il se dégonfle. Voilà, ça tombe bien, on est près de l'océan Atlantique. Vous pouvez visualiser comme un petit océan avec des vagues qui vont et qui viennent. Votre ventre se gonfle, se dégonfle. Et pour commencer à entrer dans la musique d'ici et maintenant, je vous propose de laisser échapper un petit filet d'air entre vos lèvres sur le temps d'expiration du ventre. Pendant que le ventre se dégonfle, juste on laisse échapper une petite brise d'air. Chacun, chacune a son propre rythme. Parce qu'on va résonner ensemble les uns les autres, mais en permettant aux couleurs de chacun, chacune, de s'extraire et de s'allier. Cette petite brise d'air, on va la laisser monter de plus en plus fort. Vous allez pouvoir souffler un petit peu plus fort à chaque fois. De cette petite brise d'air, on va progressivement constituer une forêt sifflante, une tempête. Pendant que je parle, vous continuez à chaque expiration. Un peu plus de souffle, de plus en plus. Une forêt soufflante, jusqu'à ce que la tempête monte. Si ça peut vous aider, vous pouvez aussi lâcher toute la fatigue, le stress, les mauvaises pensées,
toutes les choses dont vous ne voulez plus, en fait, on va faire un espèce de préménage de printemps qui arrive en libérant de plus en plus. Voilà. Laissez circuler cet air. Laissez entrer le vent, comme ça, dans votre corps. Sentez toutes les sensations qui s'offrent à vous. Où est-ce que ça vous parcourt? Et soufflez de plus en plus fort. Soyez pas timide. Allez, lâchez. Je voudrais que le souffle, comme ça, remplisse jusqu'au plafond de cette salle-là. Donnez-moi toute la puissance, toutes vos tempêtes intérieures. Ça va faire du bien. De plus en plus. Ouais, ça commence à être beau. Chacun sur son propre rythme. Écoutez comment ça monte. De plus en plus. Et puis, quand vous sentez que vous êtes arrivé au bout du processus, je vais vous proposer un temps d'égoïsme conscient. Juste un temps pour prendre conscience de votre nombril. Comme s'il y avait un petit point de chaleur, un petit point lumineux. On va imaginer que c'est le point d'individualité qui est ici, où il y a toute votre unicité, tous vos secrets, tout votre parcours de vie. Juste un temps pour ressentir ça. Et vous allez juste choisir une intention de quelle est la nouvelle réalité que vous vous offrez aujourd'hui. Quelle est l'identité que vous défendez? Quelle est l'identité que vous assumez, que vous choisissez d'être et d'offrir au monde? Voilà. Et cette pensée-là, on va juste l'ancrer dans le corps grâce à la vibration du son. Vous allez aller toucher votre terre glaise vocale comme ça, votre argile, votre son premier. Et on va laisser monter ces notes-là et ça va être la chorale instantanée du jour, si vous êtes prêts. Vous êtes chiche? On y va? Alors sur le prochain temps d'expiration du ventre, sur le prochain souffle, vous allez laisser émettre comme ça une petite bulle de son, pour l'instant bouche fermée. Alors on ne cherche pas à faire du beau, donc il peut y avoir du grommellement, des notes imprécises, on s'en fout, on ne cherche pas à faire quelque chose de précis. Juste vous laissez être ce qui sort là. Attention, prochaine expiration. Chacun sur son propre son. Ouais, c'est bien. Il faut que ça monte un peu plus. Commencez à sentir où est-ce que ça résonne dans le corps quand vous laissez résonner comme ça, ce qui vient. Dans quel membre de votre corps, de votre squelette, est-ce que ça parcourt? Sentez cette dimension-là physiologique, c'est hyper intéressant. Et puis laissez grandir ces notes-là, ces sons. Faites-vous un massage comme ça interne. Ça monte de plus en plus loin, de plus en plus fort. Petit à petit, votre identité comme ça, vous allez l'offrir au monde. Petit à petit, vous allez relâcher les mâchoires, le son va s'ouvrir à l'extérieur de vous, un peu plus fort, un peu plus loin. Ouais. N'ayez pas peur, c'est un temps pour vous faire du bien. Laissez grandir ces notes-là, laissez grandir le son. Et remplissez la salle. Chacun sur sa propre note. Entendre jusque sur cette scène, je vais vous entendre jusqu'au plafond de cette salle. Remplissez vos voix, remplissez. Encore, 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 faites monter. Comme si chacun, chacune grandissait sa lumière, son flambeau dans toute cette assemblée.
de plus en plus librement. Continuez même sans le bourdon, je vais vous entendre chanter jusqu'à vos étoiles. Que vous êtes aussi déjà dans le monde des rêves avec vos beaux fauteuils bien confortables et toutes ces idées sur la connaissance magnifiques. Je vais vous partager à mon tour ce chant de résilience qui s'appelle De l'Avant pour parler justement de toujours cette quête de connaissance de soi et de toutes les épreuves qui nous façonnent, qui nous renforcent, qui nous grandissent. Merci pour vos voix, merci pour votre écoute.